J'ai passé ma vie avec les brebis, parce que je suis née avec les brebis, j'ai grandi avec les brebis, je me suis mariée avec un berger, j'ai été bergère moi-même et éleveur jusqu'à il y a 3 ans, voilà, jusqu'à il y a 4 ans. Et puis mon mari étant à la retraite, on était en Provence, on a arrêté le troupeau, on a vendu l'exploitation et on est revenu dans notre pays natal, enfin dans le pays natal de mon mari. J'ai choisi le safran parce que c'est, j'ai réfléchi à plein de choses. Une plante qui pouvait s'adapter à nos terres pauvres, où il n'y a pas beaucoup d'eau, l'altitude, le froid, l'hiver, etc. Pas beaucoup de surface à disposition. Ça m'a fait trier. J'aurais pu faire du thym, de la lavande, des choses comme ça. Après, il faut les commercialiser aussi. On n'est pas forcément dans la région pour la distillation, etc. Donc, après, j'ai pensé au safran. Je me suis formée au safran. C'est un crocus, c'est le crocus sativus. Voilà. Et je vais vous montrer, parce que j'en ai arraché un pied là-bas, je vais vous montrer. Donc là, il est, vous voyez, les feuilles commencent à jaunir. Il va rentrer dans une période de repos, de dormance, mais c'est encore pas, il faut attendre encore. Je vois qu'avec la pluie, ils se sont un petit peu ragaillardis. Encore au moins 3 semaines en terre, et puis après les feuilles vont toutes jaunir comme ça. Et à ce moment-là, je pourrais désherber mon champ, je pourrais faucher, désherber. Et le bulbe dessous ne craint plus rien, il n'a plus besoin d'eau, il n'a plus besoin de rien. Il pourrait même être arraché, mis dans des cagettes, il n'y aurait pas de... Et le safran, il fonctionne à l'inverse de la plupart des autres plantes. C'est-à-dire qu'il fleurit à l'automne, les bulbes se régénèrent et grossissent tout l'hiver. Et le printemps fin mai, début juin. Et après, il dort jusqu'en septembre. En septembre, il commence un petit peu à bouger. Et en octobre, il sort les fleurs. Il sort les fleurs pratiquement en même temps que les premières feuilles. C'est-à-dire qu'au début, quand je ramasse, il n'y a presque pas de feuilles. Il y a des petites fleurs qui poussent comme ça. Et les feuilles progressent après. La première floraison, elle démarre souvent quand il y a une amplitude de température très importante entre le diurne et le nocturne. De même que les pluies de septembre sont déterminantes pour la floraison. C'est-à-dire que s'il ne pleut pas en septembre, il faut arroser. C'est la seule période de l'année où moi j'arrose et où la plante elle a besoin d'être arrosée. Et le premier arrosage que vous allez faire en septembre, si vous le faites le 4 septembre, ça va déclencher la floraison un mois après pratiquement. J'ai acheté 30 000 bulbes, alors 10 000 comme ça, 10 000 moyens et 10 000 petits. Quand on achète des gros bulbes, la floraison va être pratiquement de 100%. Et pratiquement chaque bulbe va donner une fleur. Quand vous achetez des moyens, vous avez à peu près 60% qui vont donner une fleur. Et quand vous achetez des petits, vous avez à peu près 30% qui vont donner une fleur. 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Voilà, il y a à peu près entre 15 et 20 cormes par pied. Alors, vous voyez qu'ils sont un peu tout cabossés. Normalement, des bulbes dans un terrain normal, ils sont bien ronds comme il faut. Les miens, ils sont tout cabossés parce qu'ils poussent au milieu des cailloux. Une parcelle ne peut pas durer éternellement parce qu'ils se multiplient tellement qu'après, ils n'ont plus de place. C'est trop serré, il s'étouffe. C'est pour ça qu'il faut retourner les parcelles tous les 5, 6 ans, 7 ans si vous les avez plantées vraiment espacées. Le crocus puise énormément d'éléments dans le sol. Il appauvrit la terre quand même. Ce qui fait qu'il ne faut pas replanter du safran avant 10 ans sur une même parcelle. Et la production, elle est très irrégulière, c'est-à-dire que c'est capricieux un peu le safran. Un jour, vous allez avoir, je vais dire, 1000 fleurs. Et le lendemain, vous allez en avoir 30 000. Oui. Un bon cueilleur ramasse à peu près 1000 fleurs à l'heure. C'est pas pareil, vous voyez. Hop, on la voit là. Oui. Alors que quand vous êtes en haut, vous la voyez pas. Elle est cachée par l'herbe. Parce qu'elles sont coquines, elles se cachent dans les herbes. C'est terrible d'être comme ça. Vous voyez celle-là? Oui, ça y est. Et puis vous la sortez, ben... Tac, voilà. Et celle-là, ça va. Celle-là, c'est des jolies. Voilà.
Il y en a qui nous piègent, nous attirent. Alors, il faut bien passer la main pour pas les louper. Bon, mais j'en loupe toujours. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Je demande aux personnes qui m'aident à ramasser de les compter. Alors, on ne les compte pas quand on les émonde, mais on les compte quand on les ramasse. Et pour les compter, pour pas trop se perdre, dès qu'on en a 50, on met un petit caillou dans notre poche. Et puis après, on compte nos petits cailloux, 50, 100, 150, 200. Mais ça me donne quand même une idée de la production journalière et j'arrive à faire un petit peu des prévisions. Si vous dites un jour, je ramasse pas, pourquoi pas ? Vous êtes fatigué, vous ramassez pas. Le problème, c'est que le lendemain, il va falloir ramasser la production du jour. Et entre la production du jour et la production de la veille, vous n'allez pas savoir. Or, pour faire du safran de haute qualité, il faut que le safran il soit ramassé le jour même. Alors, émonder, c'est ramasser la fleur de safran et puis l'ouvrir et couper le pistil dedans, le pistil qui fait l'épice. Le pistil qui se compose de trois petits filaments qu'on appelle aussi des stigmates. Et ces petits, alors vous pouvez ramasser soit le pistil tout entier, sauf que donc qui fait ces trois filaments, sauf que le pistil tout entier, il a une partie qui est orangée, jaune orangée, et cette partie, elle n'est pas mauvaise, mais elle est pas bonne pour être du safran. Donc il y a plusieurs façons de le commercialiser. On le commercialise en pistil entier, effectivement, ce qui est plus facile, ça prend un petit peu moins de temps, mais il n'est pas tout à fait aussi pur. Donc moi, j'ai opté pour faire du safran de haute qualité. Donc on émonde, c'est-à-dire qu'on sépare les trois filaments, on laisse que la partie rouge. Et après, il faut encore, pour un bon émondeur, il faut encore au moins 3 heures pour émonder ces 1000 fleurs. C'est-à-dire que le jour où vous avez 30 000 fleurs, il faut 30 heures de cueillette, plus 90 heures d'émondage. On met les fleurs sur la table, un panier de fleurs sur la table, on les prend et avec nos petits ciseaux, on prend la fleur. Alors il y a un petit coup de main à prendre. On tourne la fleur, on libère le pistil et on coupe les stigmates sur du papier sulfurisé. Il y a le coin des gauchers, le coin des droitiers. Ça rigole pas. Il y a beaucoup d'égorgés. Didier, j'ai que Didier. Ah ben, et moi. Il y a les ciseaux et il y a les sans ciseaux. C'est ça, il y a le clan des ciseaux et le clan des sans ciseaux. Eh, vachement, faut que je suis gaucher comme la Monique. 36, 01. Tu as plus du grade. Je suis plus tard. Ce soir, tu seras directrice. Oh, oui. Super, c'est des nouvelles de ton mari. C'est quand même sympa. Ah, c'est pas mal ça. Bienvenue, fils. S'en fout de tout dans les... Donc, je les paye sur ma balance. Je marque le poids de mes pistils frais. Ensuite, quand on a plusieurs petits tas, quand j'en ai assez pour le déshydrater, je le mets dans mon four. Ceux-là, ils ne sont pas tout à fait secs. Hein. Je vais leur redonner un petit coup. Et je repèse donc une fois que c'est séché pour savoir si c'est bien déshydraté comme il faut. Il déshydrate 10 minutes à peu près, voilà, jusqu'à ce qu'il ait perdu 80% de son poids. Et après, je le mets en pot. Et les fleurs qu'on a récupérées, qui sont dépouillées de leur pistil, je les mets sécher sur le séchoir. Toute la récolte de fleurs qui se trouve dans ce carton va partir en cosmétique. Okay. Un laboratoire privé qui me les prend pour faire des crèmes. Après, je le mets dans des pots en verre. Je les ferme et je les mets dans ma cave, au frais, à l'abri de l'air, de la lumière. Et là, ils vont maturer pendant au moins 2 mois. Parce que si vous achetez du pistil qui vient d'être récolté, il n'aura pas le goût requis, même l'odeur. Il sent pas le vrai safran encore. C'est comme le vin, il y a une transformation qui se fait. Et il faut au moins 2 mois pour avoir déjà un safran. Alors le Crocus sativus,
Il est cultivé surtout en Europe, mais aussi en Asie mineure et puis un petit peu au Proche-Orient. Et c'est un crocus qui est intéressant par rapport à d'autres, parce qu'il a un pistil qui est très développé par rapport à d'autres espèces. En France, il a été cultivé beaucoup au XIIIe et XIVe siècle. Et on a des preuves qu'il était déjà consommé beaucoup dans le royaume au XIIIe siècle. Et au XIVe siècle, il est attesté par l'impôt, notamment dans l'Albigeois. Donc, l'apogée du safran en France, c'est du XVe au XVIIIe siècle. Alors là, il y a eu une augmentation des productions très importante et de la consommation aussi. Et puis subitement, il a disparu. On pense qu'au XVIIIe siècle, fin XVIIIe siècle, il a disparu de la surface de la France. Et on pense que c'était dû à des intempéries, parce qu'il y a eu des périodes où il y a eu des grosses intempéries. Le safran est réapparu il y a une trentaine d'années à peu près en France. Et aujourd'hui, on est à peu près 200 safraniers sur une surface de 30-40 hectares pour une production de 40 à 50 kilos. La France elle-même en achète 50 tonnes dans le monde. Et la France en revend aussi 15 tonnes. Autrement, la production mondiale, pour vous donner une idée, est à peu près de 120 tonnes par an. Le premier producteur, c'est l'Iran, qui produit à lui seul 80 tonnes. Et pour vous donner un peu une idée aussi du trafic qu'il y a dans le safran, parce que c'est un objet de spéculation très important, il s'en revend 300 tonnes. On en produit 120 tonnes et on en revend 300 tonnes. C'est une des épices, une des épices la plus chère et la plus frelatée au monde. Voilà. Ils mettent du curcuma. Bon, quand c'est du curcuma, c'est pas trop mal. Ils mettent de l'abric pilé. Ils mettent d'autres épices teintes. Ils mettent des teintures chimiques pour teindre d'autres épices. Et puis, je sais pas, je pense qu'il y en a qui ont beaucoup d'imagination. Alors, le safran, il est composé de trois composés chimiques essentiels. Comme je vous disais, c'est la picocrocine. La picocrocine, c'est celle qui donne la saveur. La crocine, c'est celle qui donne la couleur. Et le safranal, c'est celui qui donne l'arôme. Et il y a aussi du carotène, bien sûr, de la vitamine B1 et encore d'autres choses. Le safran, donc, il était très utilisé, il est toujours d'ailleurs dans tous les pays asiatiques, la Chine, pour ses vertus médicinales. Et puis aussi, notamment en Chine, au Tibet, pour teindre les robes des moines bouddhistes. Et on a même trouvé des peintures rupestres qui datent de 24 000 ans, qui étaient peintes au safran. C'est que dans 1 gramme de safran, 1 gramme, c'est ça. Et ça fait déjà un petit peu quand même. À peu près 200. Voilà, à peu près 200 fleurs. Dans 1 gramme, vous pouvez faire entre 50 et 70 assiettes. Donc ramener à l'assiette. Tout est relatif. Ça, c'est prêt à consommer. Voilà.